Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle autopublié que j'avais précommandé il y a une semaine ou deux et j'avais trop hâte de le recevoir parce que les illustrations sont tout simplement magnifiques et il vient tout juste d'arriver. J'ai eu la surprise, je n'avais pas vu qu'il avait été expédié, donc il s'agit du Magic Luna Witch cette fois-ci. Je vous ai présenté la semaine passée le Magic Luna tout court que j'aime beaucoup avec son extension et ici elle a sorti le Magic Luna Witch et je le trouvais vraiment magnifique dans l'esprit witchy et elle va sortir une extension après également. Donc voilà, donc il est arrivé dans un genre de pochon en toile, vraiment en toile de jute, j'adore, vraiment. Bon, je pense pas que je vais laisser le jeu dedans parce qu'il n'y a pas de lien pour le serrer, je mettrai autre chose dedans parce que j'ai des petits pochons qui traînent où je pourrais le mettre dedans, mais franchement j'adore la qualité. Bon, je vais le mettre par là. Alors, ben voilà le jeu. Il y a 40 cartes. Le dos est comme ceci. Regardez, il y a le petit chien, là, vous voyez, il a des ailes. C'est trop marrant. Bon, il est très, très witchy, très sexy, très, très chouette, je trouve. Voilà, les tranches sont comme ceci. Il a la même taille. C'est vrai que j'ai pas pris une petite carte où j'ai mis mon tarot ici pour vous montrer. Il est plus petit qu'un tarot, du coup. Ici, par exemple... Voilà. Vous voyez, il est beaucoup moins large et il est un petit peu moins haut. Il y a un format tarot, donc elles tiennent très très bien en main, du coup. Voilà. Alors, ben, on va les regarder ensemble, du coup. Voilà. Donc, on a les saisons. Ici, on a l'été. Et on a un mot-clé ici, par exemple, la réussite. Le printemps. Regardez-moi ça comme elle est jolie. J'aime beaucoup la renaissance. Ici, la trêve, elle est vraiment jolie, regardez. Oh. La banque. Oh, j'en ai passé une. La célébrité, elle est très très belle aussi, regardez. Ici, le grand amour. Tatouage du chat noir, trop marrant. Les bistouris. Le voyage. Ici, ça fait vraiment penser, bah oui, avec la cravate aussi, hein, à Harry Potter et le Poudlard Express. Hein. La carrière. L'homme de cœur, il est beau aussi. Hein. La paperasse, j'aime beaucoup aussi, avec ce vieux bureau-là. Les guides de lumière. Oh, il est très sexy. Hein. Celle-ci est belle aussi. Ange et démon. Avec la côté ange. Et le côté démon. Le cocon. Elle fait penser un peu à la maison des sœurs Halliwell. Avec le chat. La stratégie. Ici, on voit. Potion. C'est trop bien fait. Un tarot, on dirait. Des cristaux. Bougie. La citrouille. Une clé. C'est chouette. Le restaurant. L'attaque. Ouais, là, on voit, elle lui tire l'oreille presque. Des plats d'humour aussi. Les croyances. J'aime bien le noir et le blanc. Le contrat officiel. Magic Luna avec la plume. La femme de cœur. On avait l'homme de cœur, ici on a la femme de cœur. Donc ça peut représenter du coup la consultante et le consultant. Ah, ici on a l'hiver, ah, elle est chouette la carte de l'hiver avec la stagnation. Ah ouais, elle est vraiment belle. S'enrichir, et là on voit il y a des, oui, deux petits chats noirs dans les buissons. La communication. L'intimité, elle est jolie cette carte avec le bain moussant rose, la bougie. Les achats, ici on voit, j'adore les potions, la boule de cristal, chouette, Game Over, celle-ci aussi j'aime bien, fait penser au Game Boy, la console, la Nintendo si vous avez connu, Game Over, pleurer, marche avant et dans l'autre sens, marche arrière.
L'automne, oui, évidemment, très très belle. Le détachement. J'adorais que la citrouille, elle est vraiment belle. Sortir du trou, celle-ci, je la trouve tellement parlante. Avec les petits lampions d'Halloween, c'est trop mignon, petite citrouille. Les plaisirs, celle-ci est très très belle aussi. Avec cette petite fille-là qui croque sa tablette de chocolat. J'adore. La prison. Le tribunal. La rupture, elle envoie elle, rupture de contrat. Les changer. Oh bon, là, on reconnaît assez clairement Lucifer, hein, que j'aime beaucoup cette série d'ailleurs. Avec et ça représente bien, hein, justement, si vous connaissez la série, ben, c'est le diable, et au final, on s'aperçoit au fil des séries, des saisons plutôt, que ça devient vraiment quelqu'un de bien. Et qui change, voilà, par amour. Voilà, changer. La trahison. Ouais, ici, elle est forte, la carte. On voit, elle a reçu poignard. Me fait plus penser à une agression, même. L'hôpital, la clinique. La jalousie. J'adore. On voit qu'elle est en train de faire une poupée vaudou. La visite. Elle est belle aussi. Il y a beaucoup de chats noirs. Vous connaissez mon amour pour les chats noirs. Et choisir. Voilà. Ben franchement, il est super chouette. J'aime beaucoup. Autant j'aime beaucoup le Magic Luna, ben celui-ci aussi, j'aime beaucoup les illustrations. C'est très moderne, hein, très witchy, très coloré. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et ben, évidemment que quand elle sortira l'extension, je crois qu'il y aura 20 cartes de plus, ben je la prendrai également et je vous la présenterai par après également. Donc, je vous mettrai le lien vers ben, la présentation. Non, pas la présentation, le lien vers sa boutique directement dans la barre d'infos, comme ça, si vous voulez vous le commander, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et vous serez directement dirigé sur sa page. Voilà. Bah dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour bah celui-ci aussi, si vous avez déjà le Magic Luna également, ce que vous en pensez. Comme ça, on partage tout ça en commentaire comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!